Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo Xboxing, donc du casque stéréo Xbox One, comme vous pouvez voir. Donc, casque Xbox One, donc créé par Microsoft, donc c'est exclusif à l'Xbox One. Donc on va l'ouvrir, bien sûr, hein, c'est le but de l'unboxing. Donc, mais d'abord, on va regarder la boîte, hein, donc boîte classique, hein, toujours la même couleur, vert, hein. C'est la couleur de Xbox avec la façade. Donc, comme vous pouvez voir, excusez-moi, le logo Xbox One, le nom Xbox One, la photo du casque. Hop, sur le côté, nous arrivons donc sur. Là, le mode autofocus ne se met pas. Voilà. Alors. Nous avons un dessin d'un casque adaptateur, donc ce qui contient la boîte, et un câble USB. Donc c'est ce qui est marqué, hein, inclus casque stéréo, adaptateur pour casque stéréo et câble USB. Après, important, exclusivement destiné à être utilisé avec les consoles Xbox One. Voilà, vous acceptez la garantie limitée disponible. Hein. Ah voilà. Alors moi je m'en fous, il est garanti 2 ans. J'ai pris la garantie, l'extension de garantie donc de Micromania. Donc voilà. Donc derrière, pareil, hein, petit dessin, donc dessin, je veux dire photo, avec ce qu'on voit. Et pareil, derrière, c'est découvrir un son immersif d'une incroyable richesse. Ajustez le volume sans lâcher votre manette. Donc voilà. Ça reste du basique. Nous revenons. Alors, en dessous, je vais voir s'il y a rien. Non, il n'y a rien. Donc, c'est pas intéressant. Allez, c'est parti. Nous allons l'ouvrir. Alors, comment j'ai... On ouvre déjà ça. Alors, je vais voir comment on ouvre. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et voilà. Donc, voilà, quand on ouvre... Non, je l'avais déjà ouvert, mais j'ai pas utilisé. Hein. J'ai juste ouvert le scotch hein, pour pas, voilà, poser la caméra, couper du scotch. J'ai même pas encore ouvert ça. Mais de toute façon, vous allez le voir. J'ai rien fait encore. Donc voilà. Donc voilà. Alors, ça, c'est sûrement le casque, je suppose. Donc, qui est emballé, hein, comme vous pouvez voir. Donc, bien emballé, en tout cas. On va le poser là. Alors, ici, nous avons l'adaptateur. Donc, hein, vous savez que sur le casque stéréo Xbox One n'a qu'un seul fil. Hein, et c'est tout ça qui fait le son du jeu. C'est impressionnant. C'est assez impressionnant. C'est-à-dire, on a juste ça. Et on n'a qu'un seul câble à brancher. C'est là. Si j'arrive à le faire. J'espère que vous voyez bien. Et voilà. Un seul câble à faire. Un mètre ici et vous entendez tout. Vous remarquez derrière, ah ouais, c'est de l'anglais donc je vais rien comprendre. Ça sert à rien. Donc ici, nous avons sur un côté son jeu, son ami, couper son, augmenter volume, baisser volume. Le basique. Le câble USB. Alors à quoi sert-il? Bah, à mettre votre manette à jour parce qu'il faut faire une mise à jour de votre manette pour jouer avec ce casque. Forcément. Et pour tout votre casque. Est-ce que en dessous on a quelque chose? On a quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a du papier. Alors, les guides d'installation rapide, voilà. Guide d'installation dans d'autres langues. Guide d'installation dans d'autres langues. Guide d'installation en je sais pas quoi. Et je ne comprends pas. Donc ça c'est quoi? Beaucoup de papier, beaucoup de papier. Il y a bien sûr pas de français. Je crois que c'est pour la garantie. Mise à jour de la manette requise. D'accord, c'est pour nous expliquer comment on fait la mise à jour. Et là, gros 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 livre. Donc c'est la flemme de lire.
Je sais même pas pourquoi ils mettent encore ça. Je sais pas qui lit ça. En tout cas, moi spécialement, je lis pas. Si je lis quand j'ai des problèmes avec mes consoles ou quoi, c'est vrai que c'est pratique. Et ça résolut mes problèmes. Donc, je vais mettre sur pause pour déballer donc le casque et vous le faire montrer, bien sûr. Allez, c'est parti. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va le sortir de là. Alors, si j'arrive à une main, en tout cas, j'espère. Je vais peut-être remettre sur pause et je vais le sortir. Donc voilà, lorsqu'on déballe donc ce papier-là, nous avons ce joli casque. Donc, hop, je vais le prendre par là. Ce beau joli casque. Hein. Ce très joli casque. Avec des assez grandes écouteurs. Donc ça va. Je sais pas si ça s'appelle des écouteurs. Alors, ça en plus, je crois que ça a l'air bien. Ah ouais, ça a l'air vraiment mou. Là, il y a l'adaptateur. Donc ouais, ça a l'air pas mal. J'espère que c'est confortable. Hein, j'en dirai quoi de toute façon dans mes prochaines vidéos. Mais ça a l'air vraiment pas mal, il est beau. Alors je vous rappelle que donc ça c'est l'édition standard. Il y a l'édition à 10 € de plus. Donc moi je l'ai payé 50 au lieu de 80. Il était à 50 à Micromania. Ça fait un moment qu'il est à 50, donc je crois que c'est le prix maintenant de ça. Et pour l'édition collector, pour 10 € de plus, donc 60 ou 90, ça dépend là où vous l'achetez. En tout cas, à Micromania, c'est 50-60. Et Die Game aussi, 50-60. Alors, je disais, voilà, que si vous prenez l'édition collector, c'est en fait, vous avez juste une couleur d'armée de terre, en fait, hein. Américaine, on va plutôt dire, couleur armée de terre américaine qui est mise sur le casque. Mais sinon, ça reste le même. C'est juste ça qui change. Voilà. Un très beau casque, hein. Franchement, très très beau casque. Donc, voilà ce que contient ce magnifique casque. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde!